Et les amis, nous sommes le 25 août et c'est une journée bien spéciale puisque aujourd'hui a lieu la première rencontre abonnée de la chaîne depuis qu'elle est créée. Donc voilà, donc je me dirige au lieu de rendez-vous. On s'était donné rendez-vous pour 10h et au programme un petit parcours de 15 km à allure très tranquille en mode blabla run, histoire de passer un bon moment ensemble et que ça soit accessible à tout le monde. Et suivi d'un petit barbecue qui va être bien sympathique, histoire de faire perdurer ce petit moment de partage. Merci à vous d'être venu. Donc on prévoit 15 km, à peu près 300-350 mètres de dénivelé positif, donc tranquille, on s'attend. Non, donc on va partir par là, on va faire une belle boucle comme ça, on va retourner du côté de Saint-Miel. Là-bas il va y avoir des belles côtes, des murs, mais très courts, on va dire, voilà, très courts. Et comment ? Puis on reviendra par là, puis on fera le petit barbecue là-bas. Non, on passera pas dedans, bah là on remonte là. Il y a une pause pipi aussi derrière. Il fait durable. Ça va? Désolé pour les grandes herbes. J'ai pas fauché avant. On va avoir une belle cuvette en bas. Ça va bien descendre et hop, bon coup. Prenez de l'élan, ça passe bien. C'est ça, ouais. Go ? Moi je vous suis, j'anime juste, c'est tout. Droit, en fait, c'est tout ça. Droit. Un bon entraînement pour l'UTMB, Mimu. Voilà, l'entraînement il est fait. Vaut mieux que. Là c'est la récupération active de la préparation. Et puis après ça sera la récupération active stomacale, si on peut appeler ça comme ça, avec le barbecue. Voilà. Je n'en crois rien, tu peux dire à télé, tu t'aimes. C'est vrai? Oui, c'est une mission qui fait pour toi. T'as échappé belle ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai que c'était l'échappé belle. Et ils en ont parlé du coup. François Gaël. Ils en ont parlé 5 minutes. Ah, c'est le record, c'est vrai. Donc tu te souviens du chemin là, quand on avait fait notre sortie, on était venu par là. On était parti sur le chemin blanc. Oui, si ça y est, ça me revient. Par contre, si je tape une tique, je vais me faire rembourser la course. Oui, parce que c'était payant. Deux. Oui, c'est normal. Faut tout pour moi. Ah bah. Neuf en une sortie le jour. On va rester près de toi alors. Comme ça, ils diront sur toi. Que je sois devant, que je sois devant, derrière, je les chope. Le jour 9. En 10 bornes. Putain. Une par kilomètre. Ouais. C'est le tarif en fait. Bah, je dois avoir du bon sang. C'est ça. Ah. Ou alors, c'est parce que tu t'es dopé. Et comme maintenant, il y a des types bodybuildés. Là, c'est peut-être à cause de toi. Je suis sur les kilomètres là. Ouais. J'ai eu la bagnole. Et là, à ton avis, droite, gauche? Non, à droite. Donc là, profitez parce que ça va être plat pendant 2 km, 1 km et demi peut-être. Et après, il y a une bonne montée dans un champ. Ouais, c'est ça. Ok, on arrive au observatoire. C'est ça. Alors là-bas, il y a un segment Strava. Je vous dirai doucement parce que c'est moi qui ai le com. Ah, bah non, ok. Alors toi, tu nous donneras que ça, on a eu le titillage. C'est ça. De l'ombre. De l'ombre. Juste après la côte, on rentre dans le bois. Et là, t'auras un petit peu. Et le com, il démarre où? Au poteau électrique, à peu près? Non, juste en bas de la côte en herbe. Juste en bas de la côte en herbe. Voilà, jusqu'en haut, tu verras. Jusqu'au bois, quoi. C'est ça, au bois, tu vas avoir une ligne qui rentre sur la gauche. Ouais. C'est la première et c'est la seule, de toute façon. Si on va redescendre, donc jusque-là, il y a le com. D'accord. Donc là, on prend notre souffle. Donc c'est là que tu vas y aller tranquille, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a quand même encore du chemin. Hein. C'est là qu'on monte. Hein? Attention là, vous allez vous engager sur le com, juste ici. C'est juste ici. Ouais. Et c'est la première ligne à gauche, c'est ça? C'est ça. Hey, allez, vas-y. C'est qui joue là, parce que j'ai un peu de sentir ça. À gauche, il y a des signes à la fois. Oh pardon. C'est pas non. Si jamais tu veux y aller, tu verras sur le chemin à gauche. Bon, on va sûrement y passer, tu pourras me montrer comme ça. On va y passer. Bon, là en fait, on monte et on va rentrer la première ligne à gauche dans le bois. On verra. Ah non, mais je fais pas le com, toi tu fais le com, toi. Julien, il s'est fait avoir, il a déjà passé la ligne, il a son temps qui défile. Eh ben, en fait, si t'es déjà passé, t'as pas le...
t'en créeras un juste à toi, comme ça tu seras première. Je vais aller courir un autre, impossible à courir. Tu sais, il y a des segments que j'ai créés dans les côtes en face. Je suis premier parce que je suis tout seul. Faut que tu t'ailles sur l'ordinateur. Et t'as pas besoin de payer? Non, non, bah t'as une partie payante, ça va, mais la partie gratuite, elle est largement suffisante. Je vais créer plein de segments. En plus, si tu veux, tu peux même créer des segments privés, comme ça, personne peut te les prendre. À la cour. J'avais un premier sur un. Parfait, bravo. Ah ouais, je vais accrocher la montre à mon. Bon, bah y aller parce qu'ils vont nous attendre quand même, non? Bah, ils vont redescendre, ils vont la faire deux fois. Attends, on fait semblant, on les attend, pire. Allez, allez, allez! C'est bien jusqu'à la ligne! Non mais. Bravo! Allez, Ilona! Bon, on va d'accord. Droit, quoi. Tout droit, en haut de la côte, à droite, ouais. Ensuite à gauche, tout droit. Droite, gauche, tout droit. Allez, c'est ça! On est à 8 km 300 et 160 mètres de dénivelé positif pour l'instant. Ça va toi, Joël? Okay. Eh bah, tant mieux. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Bah en fait, j'ai l'avantage, c'est que je connais la côte. Du coup, je sais qu'on peut courir. C'est plus facile à gérer, effectivement, à droite. Ça va, vous appréciez la sortie? Ouais, super. En fait, là, la côte qu'on va faire, c'est juste pour choper du dénivelé. Parce qu'en fait, on va atterrir juste 50 mètres plus loin, tu vois. Juste pour le plaisir. C'est ça. Et oui, c'est la première fois en plus. Parce que Madine, t'étais venue m'encourager, mais t'avais pas couru. Et au trail de l'espoir, bah, on n'était pas sur le même format comme tu revenais du Lavaredo. Ouais, ça t'a pas empêché de faire un podium deux semaines après le Lavaredo quand même. Ouais, c'est la dernière. Parce que l'autre, franchement, c'est vraiment pas une côte. Tu verras, c'est vraiment un micro truc. Mais quand je dis micro, c'est vraiment un micro truc. Non, franchement, c'est vrai. C'est pas trop dur. C'est dans un bon coin là. Non, en vrai. Si. Aujourd'hui, je t'ai dit. Bah, c'est vrai que niveau dénivelé, ils n'ont pas encore trop l'habitude. Ouais. Donc ça leur fait du bien et ça va leur faire passer un cap encore. C'est ça. Et tu vois, le week-end prochain, quand tu seras à la Béole, bah, tu repenseras à ça voilà. Et tu te diras, eh ben aujourd'hui, c'est facile. Non, c'est vrai, ils vont se sentir, c'est bien. Et en plus, je vous ai même prévu des petits obstacles et tout. Et voilà, on retombe sur le même chemin. Et on va descendre là-bas. Voilà, on a les infos. On a commencé à désescalader. Sans, on serait passé. Allez. Voiture. Voiture. Et c'est fou, tu vois. Voilà pourquoi j'aime pas la route. Ça fait quoi, 30 secondes qu'on court et une bagnole. Même sur la route, ça s'adore. C'est bien. C'est vrai. Tu filmes, bonne publicité. Ouais. Voilà. Futur ambassadeur Kalenji. T-shirt Kalenji, short Kalenji. Keep Run TR. Tout en Kalenji. Moi aussi. Voilà. Sauf le sac. Là-bas aussi, on a des XT7. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Champion. Bon, j'espère que ça vous a plu. Super, super. Très content. Ça manque de côte. Du coup, un peu plus de 15 km, un peu plus de dénivelé aussi. Ouais. Ouais, j'ai 374. C'est Séverine qui va être contente. 387. Combien? 387. Ok. 387. Un petit peu. Mais... ouais, c'est pas mal. T'as pas allumé le feu? Non, j'ai mis les tons. C'est cool, hein? Ouais.
L'invité surprise. Je sais pas, si vous cuisez de la viande, peut-être que lui, il aime bien cuire. C'est un plus dans ta sortie, ça, encore. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est le sortie nature, petit côté magique, ouais. Hein, c'est clair. Allez, montre-moi comment tu travailles bien. Bon, ça vous a plu, alors? Ah bah, génial, franchement. Vous reviendrez? T'es même dit que ça serait bien de le Non, franchement, c'était trop. Franchement, c'était très sympa. Et avec le petit barbecue, le petit renard là-bas qui est venu nous piquer un peu nos la viandes. Mascotte. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai filmé tout à l'heure. Non, franchement, donc merci à vous. C'était super cool. Ouais. Bon, peut-être pas maintenant parce que c'est moche après, mais j'espère que vous reviendrez. Un trail blanc, non? C'est ça, un trail blanc l'hiver, ouais, voilà, c'est ça. Un trail blanc. En plus, Ilo, elle a fait sa plus grande distance de sa vie. Lui, il nous a fait un petit striptease, plus en plus, il m'a piqué mon com et il a fait le feu. Merci Quentin d'avoir fait le feu. Ah, ah, bah voilà, oh là là. Et d'avoir fait cuire la viande. Franchement, c'était bien. Séverine, elle m'en veut pas. Non, bah c'est très bien. Donc, s'il y a un dislike sur la vidéo, ça sera forcément elle. Je suis fière de m'être levée pour ça, d'être là. Et bon courage pour la béole. Voilà. On dira si on finit, c'est grâce à toi parce que tu m'auras bien entraîné. Oh, c'est trop gentil ça, c'est trop de gentillesse en boule. Non, mais si, c'est vrai, il nous fallait ça. Ah bah, Mumu, elle signe aussi des autographes. Ouais, elle y va, ouais. Encore du boulot, hein. C'est ce qu'il buera l'UTMB. Ouais, la marque a un énorme truc. Bah ouais, j'ai trop peur de faire mal, en fait. Non, je l'ai jamais fait. Ouais, c'est un coup à se faire. Ouais, je suis qui joue, j'ai toujours peur de faire mal. Je passe un peu pour un naze avec ça. Ouais, regarde-moi. J'ai voulu copier sur toi. T'as essayé. Ah, t'as plus l'habitude, ça se voit. Oh, je le fais fuir. Après, moi, le certificat médical, tu vas même pas voir ton médecin. Ah, bah, moi aussi, c'était.